C'est l'heure des réunions et des bilans de fin d'année et l'accueil périscolaire de Romba n'y échappe pas. Jeudi matin, l'ensemble des acteurs ayant un rôle de près ou de loin dans l'organisation du périscolaire s'est retrouvé en mairie pour faire une sorte de débriefing de cette deuxième année de fonctionnement. Des élus au directeur du périscolaire, en passant par les animateurs, le directeur des affaires scolaires, l'assistante sociale, les représentants des associations de parents d'élèves ou encore la conseillère technique de la CAF, chacun a pu s'exprimer sur le fonctionnement du périscolaire. Chiffres à l'appui, bilan des activités, regard sur les effectifs, projection dans le futur, autant de points abordés au cours de cette réunion. Une réunion qui a permis de faire un bilan finalement positif de cette deuxième année de fonctionnement. Tous espèrent maintenant l'ouverture du foyer social en automne prochain pour améliorer encore plus la qualité de l'accueil des 339 enfants inscrits au périscolaire de la ville.